Bonjour tout le monde. Eh bien, je me présente, je suis Lapino et voici Lapinette. Aujourd'hui, nous allons nous faire notre petite tête. Eh oui, à de suite. Pour cela, il vous faut... Je suis en train de péter un plomb. Ne vous inquiétez pas, ça doit être le confinement. Bon, alors, reprenons notre sérieux. Alors, pour cela, il vous faut donc une paire de ciseaux, un pistolet à colle chaude, il vous faut du fil à coudre, des petits yeux. Si vous n'en avez pas, c'est rien, vous faites vos nœuds vous-même, c'est facile. Voilà, et il vous faut une feuille de papier A4 d'imprimante, une feuille cartonnée. Allez, c'est tout ce qu'il vous faut. On y va, c'est parti. Alors, vous allez prendre votre feuille d'imprimante que vous allez plier en deux, comme ceci. Vous allez replier cette feuille encore une fois sur elle-même. Ça vous donne cela. À partir de là, vous allez l'ouvrir et vous allez découper vos languettes. À partir de là, quand c'est découpé, vous allez prendre votre petite banglette, vous allez la plier en deux. Comme ceci. Vous la reprenez et vous la repliez encore une fois. Vous la repliez encore une fois. Et vous la repliez encore une fois sur elle. Ce qui vous donne un accordéon. C'est tout simplement pour faire votre rosace. Donc ça vous donne un accordéon. À partir de là, vous faites la même chose sur la deuxième bandelette. Voilà, donc vous avez deux accordéons. Vous allez y mettre un peu de colle ici sur le bord pour en coller l'autre côté de la bandelette, pour n'en faire qu'un grand morceau. Vous reformez votre accordéon. Vous voyez ? Voilà, ça vous donne une grande bande d'accordéon. Voilà. Attendez, parce que là, je crois que j'ai mis un peu trop de colle. Voilà. À partir de là, vous prenez votre bout. Vous voyez ? Vous allez vous plier en deux, comme ceci. Là, juste cette partie-là sur le bord. Alors, attendez que je la mette bien. Hop. Voilà. Ça vous donne... avec un trait au milieu. Vous faites idem sur l'autre bout. Voilà. Vous reprenez votre accordéon. Comme ceci. Et là, vous avez votre trait ici, au centre, là, comme ça. Donc là, vous prenez donc votre fil à coudre que vous allez l'entourner tout autour où vous avez fait votre trait. Vous voyez ? Comme ceci. Faites un nœud, bien sûr. Pas toujours évident, de faire un petit nœud là-dessus, ça glisse à chaque fois.
Ça y est, hop. Voilà. Vous coupez donc le surplus de votre fil. Voilà, ça. Voilà. À partir de là, vous prenez votre pointe ici, là. Vous voyez bien ici, celui-ci avec celui-ci, que vous allez coller pour former votre rosace. Alors, je vous reprends tout de suite. Donc après ça, vous avez fait donc la deuxième partie aussi pour coller au bout, comme j'ai fait. Et après, vous reformez votre rosace. Vous voyez, ça vous donne une rosace comme ceci. Voilà. Regardez. En collant les deux extrémités à chaque fois. Bien sûr, après, vous retravaillez un petit peu votre rosace. Hein. Mais ça vous donne ceci. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer donc au... Comment? Au nez. Alors pour cela, il vous faut prendre donc votre papier cartonné de la couleur que vous préférez, que vous voulez. Vous faites donc un carré de 4 sur 3. Voilà, 4 sur 3. Voilà. Donc vous en faites, alors il vous faut donc deux pieds, un nez, c'est tout. Donc vous en faites 3 comme ça. 4 sur 3. Je vous reprends tout de suite, je vous le découpe et je vous reprends de suite. Donc, dans ce petit rectangle, j'y ai dessiné le petit nez. J'y ai dessiné les petites pattes. Voici, donc là, je vais redessiner donc l'autre petite patte intérieure. Je vais faire le contour de la pâte. J'ai mes deux petites pattes ici, qui sont formées. Je vais donc maintenant découper le nez. Alors cet atelier-là, je l'ai fait avec mes petits enfants en vidéo. On se les fait tous ensemble. Les enfants étaient super contents parce qu'ils ont vu mamie. On a créé quelque chose tous ensemble. C'était un partage énorme. J'ai apprécié énormément. Et mes petits aussi, ils ont apprécié aussi. Ils m'ont fait voir leur petit lapinou. Ils étaient super contents. Ils ont dit, oh mamie, c'est super mamie. On va pouvoir le refaire. Il y avait les plus grands qui étaient malheureusement en train de faire leurs devoirs. Enfin, malheureusement, oui. Enfin, malheureusement, non, on ne va pas dire malheureusement parce qu'il n'y a pas, il faut faire aussi pour l'école. Mais du coup, ceux qui étaient entre les deux, quoi, moins les petits, ils vont faire voir aussi aux grands. Bon, bien sûr, maman, elle a dû faire aux tout petits parce que bon.
Mon petit-fils Hugo voulait le faire aussi, mais je crois que c'est maman qui a fait plus quand même. Hein. Mais il a participé quand même. Il est beaucoup plus petit, petit d'amour. Voilà. Bon, alors sur ce, voilà, j'ai fait donc son petit nez, j'ai fait ses petites papattes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ses oreilles, bien sûr. Un lapin sans oreilles, c'est pas un lapin. Hein. Voilà. Alors, on va y dessiner. Je vais faire deux rectangles, donc deux à peu près 6, 8, 6 cm. 6 cm sur 3 cm. 6 sur 3. Vous faites deux rectangles. Je les fais, vous les découpez et vous y dessinez les deux oreilles. Je vous reprends après. Et voici ces petites oreilles que j'ai découpées et que je mis en couleur avec du feutre, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va y mettre sur cette rosace pour faire la tête. On va mettre donc les petits yeux. Alors les yeux, lesquels que je vais choisir? Est-ce que ceci, ça irait? Est-ce que j'en mets des plus grands? Je pense que je vais en mettre des plus grands. Alors attendez que je regarde. Je pense que je vais prendre cette taille-là. Bon, si vous n'avez pas des yeux comme ceux-là, c'est simple, hein? Vous formez deux comme une sorte d'oreille, vous mettez en noir rond comme ça ici, et puis ça vous fait vos yeux. Hein? C'est la même chose. Hein? C'est parce que moi j'en ai. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein? Il y a toujours un moyen d'arranger pour faire des yeux, hein? Surtout avec les enfants. Hein? Alors maintenant, je pense que cela, ça devrait fonctionner. Oui, je pense que oui, ça devrait aller. Alors, on va maintenant y mettre, donc y coller. Je m'excuse, je suis obligée de me retourner parce que mon fer, ma colle, elle est juste derrière. Et je me suis déjà brûlée tout à l'heure en faisant avec les enfants. Je ne tiens pas à recommencer. Voilà. Alors maintenant, donc, on va y coller donc le nez. Le nez, comme ceci. On va essayer de centrer au milieu de la rosace, comme ceci. Voilà. Cela. Ensuite, on va y mettre donc les petites pattes ici sur le côté. Bon, faites attention. Bon, si vous le faites avec les enfants, vous faites comme avec ma belle-fille, hein. Vous laissez dessiner, vous laissez couper, il n'y a pas de souci. Par contre, pour coller, non. C'est la colle. Avec le pistolet chaud, donc moi j'aime pas non plus qu'ils puissent manipuler ça, donc c'est trop dangereux pour eux. Et à ce moment-là, à partir de là, c'est les grandes personnes qui le font, hein, bien sûr, hein. On est bien d'accord, hein. Sinon ça va être trop dangereux pour eux. Donc ça vous donne ceci. On va y mettre les yeux. Alors ça c'est pareil, les yeux c'est pas évident parce que on a pas beaucoup de place non plus là-dessus. Je vous parle pas trop parce que j'ai peur de me brûler en le faisant. Le deuxième. Voyez, hop,
commence à prendre forme, Anne Dapinon. Vous mettez donc les oreilles derrière, collées. On va une. Ça, la colle. On met tout plat sur les doigts, c'est clair. Alors, l'autre oreille. Comme ceci. Voici mon lapinon qui est formé. Vous voyez, il y a une bonne tête, Anne Lapinon. C'est mimi. Ça prend pas longtemps. Les enfants peuvent le faire. Et comme ça va être Pâques, ben c'est l'occasion. Et à partir de là, il vous faudrait aussi, pour faire donc votre tige, je l'ai oublié, je pense. Où l'ai-je mise? Il me semblait que je l'avais prise. Je vais ramener un pic à brochette. Bon, je vais aller voir. Attendez, je vais aller rechercher. Alors, vous avez pris votre pic à brochette que vous allez mettre au milieu derrière. Vous voyez, centré entre les deux pattes. Et voilà, votre petit lapinou, il est fait. Et ben voilà, c'est fini. Ma vidéo est faite. Je vous dis à bientôt. Et surtout, je vous dis, portez-vous bien et ne sortez pas. Attention, je vous ai à l'œil. Ok, allez, au revoir, à bientôt.